Bonjour, je vais vous montrer comment faire ce signe de tortue. Tout ceci a été fait avec du recyclage. Bon, évidemment, sauf les crayons et la peinture, hein, quand même, un minimum. Voilà, démonstration. Que vous allez ensuite découper. Et après, dès que vous pouvez découper hein, pour le tuto, donc là en fait c'est un carton blanc par rapport à un carton marron hein, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, une fois que vous avez votre tortue, il suffit de la peindre. Donc bon, c'est une tortue verte, donc j'ai utilisé de la peinture verte. Ok, alors en attendant que ma tortue sèche bien, je vais décorer la paresse. Alors, il n'y a pas de règle, hein. Il suffit de laisser libre cours à son imagination. Voilà, ce que j'ai utilisé, c'est un marqueur feutre. Voilà, en fait, c'est un marqueur pour écrire sur les CD, donc idéal pour écrire sur le plastique bouteille, tout simplement. Voilà, ma tortue sèche. Oh là là. Pour la carapace de la tortue, il suffit de prendre une bouteille. Alors c'est vous qui définissez la hauteur. Moi j'avais un repère. Ici la bouteille, une petite forme en relief là. Donc j'ai pris ici, j'ai tracé d'abord au feutre. Et ensuite j'ai découpé tout simplement. Ensuite, voilà. Il faut que je forme un anneau comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je présente un truc fini ici. Je trace. Ensuite, voilà. Maintenant, il faut faire ceci. Donc, il faut couper à la bonne dimension. Il faut tracer autour. Puis, retracer un autre autour pour le découper. Il ne faut pas que ça dépasse. Évidemment. La tortue. Oui. Donc il suffit de mesurer. Hein. Après vous coupez. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai cet anneau-là, je vais le décorer. C'est à peu près pour l'instant, c'est pas très important. Prenez votre anneau, remettez de la colle, pareil. C'est de la colle en tube là, extra forte. Et voilà. Fini quelques détails, quelques coups de feutre, etc. Alors, je vous ai pas montré toutes les étapes parce que de toute façon après c'est qu'une question artistique, une question de vous. C'est à vous de voir quel matériau vous allez utiliser pour
préparez la carapace, donc le plastique. À vous de voir quel dessin ou quelle couleur vous avez utilisé. Voilà, je vous remercie. Au revoir.